Le 33e conseil exécutif de l'Union africaine s'est ouvert ce jeudi à Nouakchott en Mauritanie. À cette session, les ministres des Affaires étrangères préparent le sommet des chefs d'État qui aura lieu en début juillet. Gapili Missé sur place. Sur place ici, justement, à N'Djamena, la première dame, Hinda Debino, a reçu la directrice régionale Afrique de l'OMS. Hinda Debino et Dr Matshidiso Rebecca Moeti ont échangé sur la question de la santé du couple mère-enfant, nous dira Nassour Nouditi. Et puis la normalisation et la stabilisation des zones affectées par Boko Haram reste un défi pour les pays membres du bassin du lac Tchad. À cet effet, les experts de la sous-région réunis à N'Djamena vont élaborer une stratégie commune de stabilisation. C'est tout pour le sommaire, jeudi 28 juin 2018. Bonsoir à tous et bienvenue. Je l'annonçais en sommaire que le 33e Conseil exécutif de l'Union africaine, les travaux ont commencé ce 28 juin au centre de conférence Mourabitine de Nouakchott en Mauritanie. Cette session regroupe les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine et prépare le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement annoncé pour le début du mois de juillet en Mauritanie, bien évidemment. En Mauritanie, bien sûr, bien évidemment. Gapili Missé est sur place. C'est ici que le 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine va se dérouler les 1er et 2 juin 2018. Le centre de conférence Mourabitoune de Nouakchott. Prélude à ces sommets, les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine, parmi lesquels Chérif Mohamed Zen, ministre tchadien des Affaires étrangères, se penche depuis ce jeudi matin sur la marche de l'institution et partant du continent africain. Cette 33e session du Conseil exécutif qui prépare le sommet des chefs d'État va aborder plusieurs sujets, notamment la réforme en cours et le financement de l'Union africaine et surtout le thème de l'année, la lutte contre la corruption. Il faut rendre les méthodes de travail plus efficaces et plus porteuses, cela conformément à la réforme en cours, a lancé du haut de la tribune Louise Muzikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda et président du Conseil exécutif de l'Union africaine à l'ouverture des travaux. Dans cette vision d'efficacité et d'imputabilité, a-t-elle poursuivi, il est essentiel d'évoquer avec force la lutte contre la corruption. La chef de la diplomatie rwandaise a rappelé à ses collègues que les pertes de l'Afrique liées au fléau de corruption sont énormes. Pouvons-nous seulement imaginer les retombées incalculables pour nos peuples si cet argent était récupéré et alloué à des programmes de développement économique durable, de la bonne gouvernance, de la paix et de la stabilité du continent, s'interroge-t-elle. Dans son discours d'ouverture, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a souligné quelques mesures prises. La libre circulation, la réforme et le fonctionnement de l'Union africaine, la lutte contre la corruption, les conflits qui endeuillent le continent africain. Il sera également examiné le budget de l'Union pour l'exercice 2019. Vaincre la corruption est une voie durable vers la prospérité des populations africaines et l'objectif à atteindre. Merci Gapili Missé. La première dame Hinda Debino a accordé ce matin une audience à la directrice régionale Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Matshidiso Rebecca Moeti, la marraine de la CARMA et la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique ont fait la situation de la santé du couple mère-enfant. Nassour Nouditi. Reçu pendant une heure en présence du ministre de la Santé publique, Aziz Mohamed Saleh, et du représentant de l'OMS au Tchad, Dr Ndikoubayo Jean Bosco, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Rebecca Moeti, a échangé avec la première dame du Tchad sur la santé du couple mère-enfant. Pour le cas particulier du Tchad profond, la première dame a plaidé pour un renforcement des capacités des matrones en vue de réduire la mortalité du couple mère-enfant. Madame a partagé avec nous son idée d'avoir une stratégie qui est adaptée au contexte réel du pays, surtout dans le milieu reculé, dans le milieu rural, où il est parfois très difficile d'affecter le travailleur de la santé formé, de rester là-bas et soigner la population, aider les mères à accoucher. Une stratégie qui sera adaptée, trouver sur place des matrons, les former, pour améliorer leur capacité avec l'appui de quelques sages-femmes qui sont disponibles ici en ville, qui sont peut-être à la retraite, avec le matériel qu'il faut pour avoir un accouchement avec de bons résultats. Qui dit OMS laisse entrevoir vaccination.
Le sujet n'a pas été occulté au cours des discussions. On parlait de la vaccination qui est une des outils les plus efficaces pour la santé publique. Parce que si un enfant est vacciné, ça veut dire que la famille est protégée, la communauté est protégée. Il faut que nous augmentions le taux de couverture de vaccination au Tchad comme dans d'autres pays. La réunion mensuelle sur la santé, présidée personnellement par le président de la République Idriss Déby Itno, est une expérience unique et hautement appréciée par la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. J'ai félicité à travers Madame la Première Dame, le président du Tchad, d'être le seul président qui préside, qui a présidé pendant 10 ans et quelques, une réunion mensuelle sur la santé. Ça montre son engagement. La Botswanaise, Dr Mashidiso Rebecca Moueti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, est à N'Djamena pour co-présider ce 29 juin 2018 la réunion des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé au Tchad. Les travaux de la réunion de renforcement de la collaboration transfrontalière en matière de surveillance et de riposte aux épidémies de choléra ont débouché à des recommandations communes aux pays membres du bassin du lac Tchad. L'élimination de cette maladie est possible selon les participants, mais il faut que les dirigeants facilitent l'approvisionnement et l'utilisation des vaccins. Explication détaillée avec Amat Ngarastan. Éliminer l'épidémie du choléra d'ici 2030, le rêve est possible. Et c'est à travers cette réunion transfrontalière sur le renforcement de la collaboration en matière de surveillance et de riposte contre ces fléaux. Durant 2 jours d'intenses travaux, les experts des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad se sont accordés pour mettre fin à la récurrente épidémie du choléra. Ils ont formulé des recommandations à l'endroit des États et de la plateforme régionale du choléra pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre afin de faciliter l'approvisionnement et l'utilisation du vaccin oral contre cette épidémie. Les experts sollicitent également l'appui de la plateforme en faveur du pays du bassin conventionnel pour le développement des stratégies et d'outils de lutte contre cette maladie. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche a salué l'initiative des experts des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad. La question de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à la promotion de bonnes pratiques de l'hygiène constitue un réel défi pour la lutte contre le choléra. Il est également important à signaler et avec force que l'approche qui fait de la lutte contre le choléra une activité de développement à part entière au lieu d'une simple activité d'urgence et son aspect intersectoriel est une vision pertinente. La lutte contre le choléra est nécessaire, mais instaurer un mécanisme idoine de prévention contre la résurgence du choléra reste un idéal pour le bien-être de la population. Dans le même registre, les urgentistes et les sages-femmes des petites et moyennes entreprises de santé suivent une formation sur les soins d'urgence, une session placée sous la supervision du directeur de l'Organisation des services de santé du ministère de la Santé publique. On en parle avec Dame Guéjoël. Les urgentistes et les sages-femmes sont à l'école du savoir. Ils renforcent leur capacité en soins obstétricaux et néonataux de base afin de relever le défi de mortalité d'une manière générale et celle infantile en particulier. Cette formation est l'œuvre des petites et moyennes entreprises de santé en accord avec le ministère de Santé. L'objectif recherché est bien entendu que le PM de la Santé fera prévoyer auprès du ministère de la Santé publique en vue des révisions sanitaires du programme des écoles de santé en y incluant en bonne place les solutions et les soins d'urgence. Les représentants de International Finance Corporation saluent ce partenariat public-privé qui concourt au bien-être de la population. Le ministère de la Santé publique reconnaît l'apport combien louable des organisations privées dans la réussite de la politique sanitaire au Tchad. Les soins en dehors des heures de pointe ne sont pas souvent disponibles. Et il appartient aux prestataires privés que vous êtes de faire en sorte que le gouvernement puisse remplir ses obligations vis-à-vis de la population en assurant la continuité des soins, quels qu'en soient les horaires. À l'issue des 4 jours de formation, animés par les experts de International Finance Corporation et ceux nationaux, les participants assureront le relais en formant leurs collègues des provinces.
À Mundu, dans le Logone occidental également, les sages-femmes et maïticiens suivent une formation sur les soins obstétricaux et néonatales d'urgence et les techniques d'encadrement clinique, comme nous l'explique Robert Doumio. Une quinzaine de sages-femmes et un maïeuticien recrutés dans le cadre de la composante 2-4 du projet SUID prennent part à cette formation. Il s'agit pour le ministère de la Santé publique, à travers ce projet, de renforcer les compétences des participants en matière de soins obstétricaux et néonatales d'urgence SONU afin de contribuer à réduire la mortalité maternelle. Le délégué sanitaire du Logone occidental, Dr Ndjekankulayom Dembayo Honoré, a relevé que notre pays, le Tchad, fait face à un défi majeur relatif à la mortalité maternelle et infantile dont le taux est très élevé. Point de vue partagé par le directeur adjoint des ressources humaines du ministère de la Santé publique, Seyd Moussa Agrey. Les différentes études menées ainsi que les données du système d'information sanitaire du ministère de la Santé publique ont montré que les indicateurs de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale et infantile sont parmi les plus élevés au monde. Pour le secrétaire général de la région du Logone occidental, Ngana Ndjekila, les participants à cet atelier ne doivent pas rater cette occasion pour améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile. La déclaration du chef de l'État, que je cite ici, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Fin de citation. Cette déclaration, donc, doit être le postulat pour toute action sanitaire. À noter que cette formation qui durera un mois comprend deux volets. Le premier volet, qui est théorique, portera sur les SONU et le second, pratique, sera axé sur des exercices de simulation et un stage en milieu hospitalier. Tout à fait autre chose, à présent, ces jours de travail dans le Wada, le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmad Mahamat Bachir, s'est rendu à Tourané pour compatir avec les familles des victimes de l'incident survenu le 15 juin dernier dans la localité. Mahamat Hassan Nasraddin. La localité de Tineritataï, dans le canton Tourané, département d'Assunga, était le théâtre d'une attaque qui a occasionné la mort de 8 hommes et une femme enceinte. Pour compatir avec les familles endeuillées, le ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmad Mahamat Bachir, accompagné des responsables des forces de défense et de sécurité, du gouverneur de la région du Wadaï, de Sa Majesté le Sultan du Dar Wadaï et des responsables à divers niveaux, est descendu sur le lieu. Souhaitant la bienvenue à la délégation, le chef de canton Tourané, Abdesalam Mahamat, a rassuré le ministre de la patience des familles endeuillées en attendant que justice soit faite. Pour le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmad Mahamat Bachir, cet acte ne passera pas inaperçu et les auteurs de ce crime odieux seront arrêtés et répondront de leurs actes devant la justice. Le ministre Ahmad Mahamat Bachir déranchérure que la 4e République ne tolère pas ce genre de crime et que la loi ne protège pas les déviants. Après le rituel prononcé par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Wadaï à la place Mortière, le ministre et sa délégation sont allés au cimetière pour la prière des circonstances aux victimes. Dans le même registre, une délégation du mouvement patriotique du salut du Wadaï, conduite par le secrétaire général Abbas Abdelkrim Badour, était sur le lieu pour compatir avec les parents des victimes. Chaque ministre son terrain, des retours de Sar dans le Moyen-Chari où il est allé inaugurer la cour d'appel de la ville. Le ministre de la Justice, Jimmy Arabi, s'est arrêté à Doba, chef-lieu du Logone oriental. Sur place, il a pu rencontrer les autorités administratives, militaires et judiciaires. On fait le point avec Moussa Mboud Abdoulaye. La rencontre entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains et les représentants de différents services déconcentrés de l'État de la région du Logone oriental vise à s'enquérir sur la situation de fonctionnement du tribunal de grandes instances de Doba après les malheureux incidents qui sont survenus au parquet dans un passé récent et qui a paralysé tout le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Le ministre Jimmy Arabi, entouré pour la circonstance du président de la Cour suprême Samir Adama Nour, et des conseillers à insister sur la franche collaboration qui doit être de rigueur
entre les différents services. Nous avons demandé à toutes ces autorités d'avoir une meilleure collaboration pour que le fonctionnement de l'administration soit vraiment très régulier. Et surtout, nous sommes rassurés avec le nouveau gouverneur sur la collaboration entre les autorités administratives, les autorités militaires et les autorités judiciaires soit vraiment parfaite. Le chef du département de la justice n'a pas mâché ses mots lorsqu'il s'agit de faire régner l'autorité de l'État dans les régions. C'est ainsi que, selon lui, avec la compétence avérée du gouverneur de cette circonscription administrative, il compte sur l'esprit patriotique des différentes parties dans l'optique de préserver la paix et la cohésion sociale. Cette information en bref et en image pour la suite de l'édition dans le cadre du projet de diffusion et de vulgarisation du droit tchadien. Le CEFOD organise un atelier sur les techniques de rédaction d'actes juridiques à l'intention des parajuristes, des différentes organisations et associations de la société civile en charge des questions des droits de l'homme. Les participants vont approfondir leurs connaissances sur la rédaction des documents juridiques, à savoir la plainte, la requête, le procès verbal, entre autres. Atelier technique d'élaboration d'une stratégie régionale de stabilisation de la région du bassin du lac Tchad, affectée par Boko Haram. Les travaux se tiennent en N'Djamena. Y prennent part les experts de la CBLT, ceux de la Commission de l'Union africaine, du G5 Sahel et des agences techniques spécialisées des Nations unies. Adef Ahmad Benrahma, reportage. Être soumis pour examen en vue de sa prochaine adoption, le projet d'élaboration d'une stratégie régionale de stabilisation de la région du bassin du lac Tchad, affectée par Boko Haram. L'importance de la dite stratégie a été relevée par le secrétaire exécutif de la CBLT, l'ambassadeur Maman Nuhu, pour qui la normalisation et la stabilisation des zones affectées restent un défi. Ayant constaté le résultat probant obtenu par la force multinationale mixte en collaboration avec les forces nationales, mandat a été donné à la CBLT d'entreprendre avec les différentes parties l'élaboration de la stratégie. Le coordonnateur du système des Nations Unies, Stephen Toole, et les représentants de la Commission de l'Union africaine, El Hadj Sardjouba, ont réitéré l'appui de leurs institutions respectives. Ils n'ont pas manqué de saluer les efforts déployé par la force multinationale mixte, le G5 Sahel, la CDAO, la CAC et les États membres. Le gouvernement du Tchad a pour sa part appelé les partenaires à accompagner la mise en œuvre de la stratégie. Je lance au nom du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche un appel pressant à tous nos partenaires afin qu'ils consentent à financer les dernières étapes de cette stratégie. Au-delà de cette demande ponctuelle, notre vœu le plus ardent est qu'ayant été impliqué dans la conception de la stratégie, que nos partenaires puissent nous accompagner et montrer plus de disponibilité à soutenir de manière conséquente son implémentation. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Environnement a transmis les encouragements du président de la République Idriss Déby Itno à tous les partenaires impliqués pour la cause du bassin du lac Tchad. Sachez que les éléments des forces de sécurité de la région du Borku ont mis la main sur un présumé malfrat ayant en sa possession une importante quantité de drogue. Il a été présenté aux autorités locales. Le gouverneur a félicité les éléments des forces de sécurité et leur demande par la même occasion de traquer tout fauteur de troubles. Il demande par ailleurs à la population de collaborer avec les forces de l'ordre. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Dago Yahuba, une rencontre ce matin avec les différents chefs de service déconcentrés de l'État à l'ordre du jour, la sécurité, la santé, l'éducation et la cohabitation pacifique conformément aux recommandations de la 4e République. Christelle Ngarlumdana. Face aux différents chefs de service déconcentrés de l'État, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Dago Yacoub, a axé son intervention sur la sécurité, la santé, l'éducation, la cohabitation pacifique et les recommandations de la 4e République. Ces échanges sont considérés comme rappel à l'ordre pour accompagner la politique du chef de l'État
à asseoir un climat apaisé au Tchad. La sécurité a besoin de la collaboration des chefs de carré, des chefs de délégués de quartier, les maires, les administrateurs délégués. Ensemble, nous pouvons combattre l'insécurité qui vit dans notre localité. Si vous voulez que notre population puisse vaguer tranquillement et librement, il nous faut une cohabitation, une entente parfaite entre la sécurité et entre la population. J'appelle le délégué de quartier, le maire, les administrateurs délégués, le chef de quartier, de faire de la sécurité leur problème personnel. À travers cette rencontre, les différents chefs de service déconcentrés de l'État ont pris bonne note dans l'intérêt du peuple tchadien en général et celui de N'Djamena en particulier. Mes soucis, c'est quoi? Pour carrément rayer les voleurs, c'est très simple. Mais il n'y a pas une volonté ferme de la part des populations. Je demanderai une synergie entre les hommes de la sécurité et également la police municipale pour que nous puissions trouver une solution à ce problème. Tous ces points abordés ont permis à chaque service de revoir sa position et de s'approprier les exigences de la 4e République pour une nouvelle mentalité et la prise de conscience dans les actions quotidiennes. Écocite 4, l'enquête sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté au Tchad ne concerne pas seulement les nationaux. L'enquête s'est étendue aux réfugiés. En mission d'évaluation dans le sud du pays, le directeur de l'INSED et le chef du projet de développement des statistiques au Tchad se sont rendus au camp des réfugiés et retournés des deux CI à Gorée par Niapende. L'enquête se déroule telle bien. Constat de Mahamat Omar Moursal. Cette mission d'inspection d'Écocide 4, conduite par le directeur général de l'Institut national des statistiques, des études économiques et démographiques, INSET Onur Goukini Nour, consiste à évaluer le travail des agents enquêteurs à Gorée, chef-lieu du département de Niapende. Avant de se rendre au camp des réfugiés et retourner des dossiers, la délégation a échangé avec les délégués régional du Centre national d'accueil de réinsertion des réfugiés et des retournés sénars de Gorée, Ramadan Nassidjim, sur l'évolution des travaux et l'hébergement des enquêteurs. Un des agents enquêteurs rencontrés sur le terrain s'explique sur le déroulement du travail. Les enquêtés sont collaboratifs et le message passe normalement. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté majeure jusque-là. Pour se rendre à l'évidence, le directeur général de l'INSED a fait un tour dans le camp pour faire son propre constat. Cette enquête concerne l'axe 4 du plan national de développement. Donc c'est des données qui sont très importantes pour permettre à nos décideurs de mieux planifier par rapport à des interventions publiques, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, de l'éducation, etc. Le chef du projet de développement des statistiques au Tchad, PDST, représentant la Banque mondiale, Ali Sano, salue les dispositions prises dans ces camps de réfugiés pour faciliter le déroulement de cette enquête. Cette enquête entre dans le cadre de l'établissement des indicateurs de base pour ce plan. Et comme nous serons encore là dans 3 ans, l'enquête Écocide, en tout cas dans ces 2 séries, 4 et 5, nous permettra vraiment de voir l'évolution des indicateurs. Le coordonnateur national de l'Écocide 4, Ahmad Abdelkerim Abbo, explique que son institution permettra au Tchad de disposer d'une base de données fiables pour une meilleure planification des politiques économiques et sociales afin de lutter efficacement contre la pauvreté au Tchad. Puisqu'on parle des réfugiés, retour à présent sur la journée mondiale des réfugiés qui a été célébrée la semaine dernière à Farshana, dans le département d'Assunga. Et c'est le secrétaire général de la région du Wadaï qui a présidé la cérémonie. Hassan Lamy. Le réfugié n'a pas choisi d'être réfugié volontairement. Il est contraint par plusieurs circonstances de quitter son territoire. Il peut s'agir de la guerre, de la famine, de la violence et toute autre calamité. L'histoire de ces personnes vulnérables remonte vers les années 1951. Aujourd'hui, on compte plus de 51 millions de réfugiés dans le monde, dont plus de 449 000 au Tchad. Dans la région du Wadaï, ils sont plus de 125
5 000 regroupés dans quatre camps, à savoir Breding, Trading, Gaga et Farshana. À Farshana, où l'événement a eu lieu, plusieurs activités étaient inscrites au programme. Il s'agit notamment des défilés des élèves, de danse folklorique, des récits de poèmes, de présentations théâtrales et des visites des sites des activités. Cela n'a pas laissé indifférent les délégués de la CENAR. Pour Ali Abdoulaye Idriss, le gouvernement de la République du Tchad a réservé un accueil chaleureux aux réfugiés depuis 2003. Le représentant du HACR, pour sa part, Ibrahim Sila, a dit merci au Tchad pour ses efforts consentis en faveur des réfugiés. Président de la cérémonie, le secrétaire général de la région du Wadaï, Abassara Dingar, a relevé que les réfugiés soudanais sont considérés comme des frères au Tchad. Sœurs frères et sœurs réfugiés qui ont reçu cet accueil n'ont pas été déçus parce que la population honte qui leur a réservé cet accueil, les considère comme des frères et des sœurs. Juste après la fin de la cérémonie, le secrétaire général Abassara Dingar a visité le centre de formation professionnelle où sont formés réfugiés et autochtones. Chefferie traditionnelle, le chef, le canton Andia, dans le village Tarfi, dans la sous-préfecture de Mao, a un nouveau chef. Le rituel d'intronisation a vu la présence du sous-préfet de Mao rural, Moussa Mahamat. La communauté Andia du village Tarfi et celle des localités environnantes étaient en fait ce jour 24 juin dans leurs chefs-lieux respectifs. En effet, c'est par le décret numéro 1361 du 19 juin 2018 /PR/MAT/2018 que M. Mahamat Moussa Gra a été intronisé comme chef de canton dans son village. La quarantaine révolue, le nouveau chef de la communauté Andia a été accueilli avec une grande joie par sa population. Le président du comité d'organisation, Youssouf Yayamouli, a profité de l'occasion pour remercier toute l'assistance pour ses concours afin que la fête soit belle. Dans son discours d'installation, le sous-préfet de Mao rural, Fougou Alifa Ali Zazarti, a rappelé que les autorités traditionnelles et coutumières veillent à la protection de la population. Monsieur Moussa Mahamat Gra, le choix porté en votre personne par les hautes autorités du pays ne résulte pas heureuse. En votre qualité chef de canton Anya, vous êtes désormais sujet incertain de nombre de délégations et prérogatives liées à votre nouvelle fonction. Fougou Alif Ali Zarti a exhorté au chef de canton Anya d'être toujours disponible par une franche et sincère collaboration dans le respect de la hiérarchie, tournée vers la cohésion sociale et le développement socio-économique de sa communauté. Pour sa part, le chef de canton Andia, Mahamat Moussa Gra, a tenu à remercier le président de la République, Idriss Déby Itno, au nom de toute la communauté Andia pour la confiance placée à sa modeste personne. Mahamat Moussa Gra a convié sa communauté d'être solidaire et d'apporter ses concours et appuis nécessaires pour l'accomplissement de sa mission sur le terrain. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique organise un atelier de réflexion et de partage des acquis dans la perspective de l'éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap. Les travaux ont commencé ce matin en présence du directeur général du ministère de l'Éducation nationale. Reportage Youssouf Abdraman Aligat. Les enfants handicapés sont considérés comme des personnes sans avenir et inaptes à la production. Et pourtant, des données d'études réalisées prouvent à suffisance que les enfants handicapés disposent des atouts qui, une fois développés, sont nettement meilleurs au-delà de la norme. C'est pour remédier à cette situation qui n'honore pas notre pays que se tient cet atelier qui vise à offrir des meilleurs jours aux enfants handicapés. Vous aurez à partager les acquis de l'éducation inclusive et réfléchir sur les perspectives afin d'atteindre les objectifs fixés qui sont entre autres de présenter les différents acteurs de l'éducation inclusive au Tchad et de rappeler les tendances internationales et objectifs sur le thème de l'ODD 4. De partager les réalisations et acquis des organes publics et des quelques acteurs actifs dans le domaine.
Durant 2 jours, les participants auront à réfléchir sur les différents axes qui pourront aider le système éducatif tchadien à assurer une éducation équitable sans discrimination des enfants issus des milieux défavorisés et handicapés. Les instruments internationaux qui consacrent les droits des enfants sur l'éducation inclusive seront mis à contribution afin de peaufiner la nouvelle feuille de route qui permettra aux enfants handicapés de jouir pleinement de leurs droits. La session de formation des formateurs sur l'approche association villageoise d'épargne et de crédit s'est achevée ce matin. La session a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur cette approche en vue d'œuvrer en faveur de la promotion sociale et économique des femmes en milieu rural. Moussa Mbodo Abdoulaye, reportage. Ces points focaux de Longécaire International viennent d'ajouter une corde à leur arc. Ils ont bénéficié des notions portant sur l'approche association villageoise d'épargne et de crédit avec le système d'information et gestion des savings groupes. Ceci pour permettre aux associations et groupements villageoises d'accéder aux services des finances publiques. La représentante du directeur pays du Caire International, Céline Nérogie-Baiper, précise que son organisation œuvre sans relâche en faveur de la promotion sociale et économique des femmes du monde rural. Selon la directrice générale de la femme et de l'équité de genre, cette formation améliore les indicateurs de la situation de la femme en milieu rural. J'ose croire qu'une fois de retour dans vos localités respectives, vous contribuerez plus fortement à l'accomplissement de cet objectif d'autonomisation des femmes et des personnes les plus vulnérables de façon globale. Au terme des travaux, les participants recommandent au gouvernement d'intégrer l'approche association villageoise d'épargne et de crédit dans la stratégie de lutte contre la pauvreté et aux partenaires d'accompagner et structurer les groupements suivant l'approche avec. Dans le cadre de ces activités, le projet d'appui au renforcement des capacités des chaînes de valeur, lait, viande, a remis du matériel de conservation du lait à quelques groupements, à Toukra et à Mandalia. C'était en présence du coordonnateur du dit projet et le chargé de programme de la FAO, Abdelhadi Mohamed Salih. Elles ont désormais toutes les astuces pour bien conserver les laits. Ces femmes des différents groupements laitiers ont suivi dans ces domaines une formation de quelques mois. L'initiative du projet d'appui au renforcement des capacités des acteurs des chaînes de valeur, lait et viande des dromadaires, de concert avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. En plus des formations, elles ont également reçu des matériels de conservation du lait et des mototricycles. Nous sommes en train de remettre ces matériels pour pouvoir concrétiser la formation que vous avez eu à faire. Pour le coordonnateur national du projet d'appui au renforcement des capacités des acteurs des chaînes de valeur, lait et viande des dromadaires en périphérique d'N'Djamena, ces matériels permettent à ces groupements de bien exercer leurs activités et d'accroître leurs chiffres d'affaires. Que depuis 2 ans, beaucoup d'activités ont été entreprises pour renforcer vos capacités et améliorer vos pratiques d'hygiène du lait pour répondre aux besoins de la population en produits de bonne qualité. Les responsables des différents groupements remercient l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le ministère de l'élevage et des productions animales pour leur soutien. En sport, un match de football a opposé hier les éléments de force de sécurité intérieure au Tchad et les communicateurs au stade municipal de Paris-Congo. Ce match est à inscrire dans le cadre des activités marquant le lancement du projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure. Falambi Soudan. Bien en jambes physiquement, les éléments de force de sécurité intérieure entame la rencontre avec un moral au beau fixe. Face aux communicateurs qui sont déterminés à faire valoir leur suprématie technique, les forces de sécurité intérieure développent un jeu fait de longues balles. Malheureusement, les communicateurs parviennent à anéantir les assauts répétés aux abords et à l'entrée de la surface de réparation. Les coéquipiers de Madjasra Nakou, qui font une occupation rationnelle du terrain, ouvrent la marque après une dizaine de minutes. Les éléments de forces de sécurité intérieure, galvanisés par leurs coéquipières, pose le jeu. Il déstabilise la défense des Blancs et obtient un pénalty qu'il transforme.
Un but partout, c'est le score à la pause. Au retour de la mi-temps, le public assiste à une domination totale des hommes en treillis. Il s'ensuit un festival de buts. Score final, 4 buts à 3 en faveur des forces de défense et de sécurité intérieure. Et nous avons gagné grâce à notre solidité, à notre union, à notre discipline. C'est ce qui fait la force de notre équipe. Pour le capitaine des communicateurs, ce n'est qu'une partie remise. On ne les laisse pas gagner. Je ne sais pas si demain on va circuler. C'est que vous avez vu tout ce qu'il y a comme policier. C'était plus sur un match très décontracté. Malheureusement, on s'est fait surprendre. Le coordonnateur du projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad situe le contexte du match. Le projet que je dirige, c'est un projet qui a pour mission d'abord d'améliorer la bonne gouvernance de la sécurité intérieure au Tchad. Le général Abdoulaye Moyal Baye-Georges de poursuivre que cette initiative permet à ses agents d'être en contact avec la population. On vient d'apprendre que le commandant de la force conjointe G5 Sahel, le général Didier Dako, est arrivé hier à N'Djamena. L'objectif de sa visite est de s'enquérir de l'opérationnalité du fuseau Est installé au Tchad. Idriss Omar Idriss. Le général de division Didier Dako, commandant le G5 Sahel, est à l'état-major général des armées. Il est venu présenter ses civilités au chef d'état-major, général des armées, Brahim Seyd Mahamat, et lui situer l'objectif de sa visite. Au cours des échanges, les deux généraux se sont entretenus sur les aspects sécuritaires dans le Sahel qui préoccupent tous les pays du G5. Brahim Seyd Mahamat a encouragé son hôte et lui a souhaité plein succès dans sa mission. Dans l'enceinte du ministère de la Défense se trouve le commandement du fuseau Est du G5 Sahel. Le général Didier Dako et la délégation qui l'accompagne se sont entretenus avec les contingents du fuseau Est qui sera installé à Our dans le Tubesti sur plusieurs questions. Le point essentiel qui est à l'ordre du jour est l'opérationnalité de ce secteur. Didier Dako a prodigué de sages conseils aux contingents et a promis soumettre leur doléance à la hiérarchie. Afin de bénéficier de l'expérience de terrain, le général Didier Dako est allé visiter le commandement de la force multinationale mixte et celui de la force Barkhane installée au Tchad. Acte du chef de l'État numéro 1400, portant rectificatif au décret numéro 1413 du 19 novembre 2014, portant création d'un canton Todour sous-préfecture de Matadjana. Département de Maigri, région de Wadi Fira. Article 1er, les dispositions de l'article 1er du décret numéro 1413 du 19 novembre 2014 susvisé sont rectifiées comme suit. Au lieu de il est créé dans la sous-préfecture de Matadjana, département de Maigri, région du Wadi Fira, un canton dénommé canton Todour. Le canton Todour a pour chef-lieu Gourouré. Lire, il est créé dans la sous-préfecture de Matadjana, département de Maigri, région du Wadi Fira, un canton dénommé canton Todour, chef-lieu Todour. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 28 juin 2018, Idriss Déby Inno. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.